Bon, bonsoir, c'est Lox. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'explication du glitch du Crochax sur Beyond Good and Evil. Nous sommes toujours sur la version PC et européenne du jeu pour ce glitch. Sur ce, c'est parti! Alors pour ce glitch, c'est assez spécial vu que c'est littéralement que de la manipulation de monstres. Dans l'île au noir, une fois que vous avez récupéré une baroque ou des 53 modèles à percussion cisaillement, vous pouvez ouvrir la grille dans la grande salle de l'île. Très classique, on longe le mur, puis avec l'aide de Paige et de sa super attaque, on peut abaisser le pont pour que le cochon passe. Alors c'est là qu'il va falloir être attentif et assez miniculé parce que pas de deuxième chance pour ce glitch. Trois Crochax vont débarquer pour aller attaquer Paige, il va falloir tuer deux Crochax en premier lieu, de préférence sans toucher le troisième. Une fois que c'est fait, théoriquement le dernier Crochax est toujours focalisé sur Paige. Il va falloir lui donner juste un coup pour en prendre l'initiative et pour qu'il soit focalisé sur vous. Maintenant il va falloir courir en direction de la porte et du mécanisme sur la gauche. On monte sur le mécanisme et on demande à Paige d'effectuer sa super attaque pour qu'on soit propulsé dans les airs et qu'on attrape la corniche. Si vous avez réussi à faire tout ça, le glitch est normalement réussi. Il suffit juste de descendre de l'autre côté de la corniche, d'appuyer sur le bouton pour ouvrir la porte et d'attendre gentiment que Paige arrive pour qu'il ouvre la porte. Ah oui! Et ne vous en faites pas si la musique du combat est encore présente, elle disparaîtra au chargement de la prochaine zone. La question que vous vous demandez là est, à quoi ça sert? Alors c'est très très simple, en réalité c'est juste pour passer la cinématique de la fin du combat entre les trois Crochax et gagner quelques précieuses secondes en speedrun. Merci d'avoir suivi la vidéo en espérant que ce petit glitch vous soit utile pour vos futurs speedruns ou juste pour le fun. En attendant vous pouvez liker la vidéo et vous abonner si mon contenu vous plaît. Je stream quasiment tous les jours sur ma chaîne Twitch, donc si vous voulez me faire un petit coucou vous êtes les bienvenus. Sur ce, merci encore et à la prochaine, bye!